Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un goûter indien nommé Gajira. C'est très facile et délicieux et c'est sucré. Venez, on y va dans la vidéo. On aura besoin de 1 kg de farine, un bol de sucre, poudre de bicarbonate de soude, de la poudre de cardamome, des grains de fenouil, du sel et du semoule. On va commencer à mixer le sucre. Pour mixer, on va mettre les grains de fenouil et le sucre ensemble. Voilà, on pourra les mélanger. Maintenant, pour ajouter la farine sur un bol, puis on y rajoute la poudre de bicarbonate de soude, puis on y rajoute la poudre de cardamome. Ensuite, on y rajoute 3 œufs sur la farine. Puis, on y rajoute le poudre qu'on avait mixé et on mélange bien. On mélangera avec de l'eau après que l'œuf et le sucre se mélangent bien. On peut enfin commencer à mettre de l'eau et mélanger bien. Vous rajoutez de l'eau jusqu'à obtenir une bonne pâte. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du lait, mais vous pouvez aussi mettre seulement l'eau pour mélanger. Voilà, la pâte est bien prête. Puis, on y rajoute le semoule. Ensuite, on mélange bien. Voilà, la pâte est bien prête. On le laisse fermer avec une assiette le temps que l'huile se réchauffe. On rajoute l'huile pour le chauffer. Voilà, on pourra prendre la pâte pour préparer. On prend la pâte pour faire des petites boules. On coupe le morceau pour obtenir des petites boules et on frotte avec la main. Puis on saupoudre de la farine. Et on trace des traits avec le couteau au-dessus des boules. Et on les laisse frire dans l'huile jusqu'à ce qu'ils se préparent. Vous continuez ainsi pour toutes les boules de pâte.
Essayez ça chez vous, c'est très délicieux. Et vous mettez le feu en moyen pour laisser frire. On retourne. Puis, on pourra les prendre dès qu'elles sont prêtes. Elles ont bien changé de couleur. Et c'est ça chez vous, c'est très bon. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et mettez un pouce bleu et envoyez ça à tout le monde.